Donc, aujourd'hui, je ne veux pas parler de la prière, mais je vais parler de quelque chose aussi que nous avons parlé au courant de la semaine qui est passée. Today, my message will be based pour les gens qui venaient à l'église. For those of you who came during the week at church. Bien-aimé, on venait à l'église. We were meeting here at church pendant this 5 week, jours. For du five lundi, days. Le Seigneur m'avait demandé à ce que nous puissions venir faire des prières ici. The Lord had put in my heart for us to come and pray here in his house. Je crois que j'ai déjà parlé de l'importance de venir dans la maison de Dieu. I believe I've spoken about the importance of coming into the house la of God. La maison de Dieu que Jésus appelait la maison de prière. The house of God, which Jesus called the house of prayer. Dans la maison de Dieu, quand Jésus a trouvé les gens étant en train de faire autre chose, n'importe quoi, when il a renversé. Il a dit, c'est dans la maison de Dieu, la maison in the house de of prière. God, he told them, this is the house of prayer. Je parlais de la maison de Dieu. So I've spoken about the house of quelque God. Quelque chose autre qui est dans la maison de Dieu. Anything else that could happen qui n'est in the house pas of God. Partout ailleurs. Et le Seigneur nous avait demandé pendant toute la semaine ici d'être ici. Put in my heart for je us bénis to be le Seigneur pour ceux qui venaient, même si on n'était pas nombreux. Came, even though we were only a few. Alors, on a partagé des choses we shared a few que things, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Which the Holy Spirit had alors, put j'ai in my dit, heart. Je vais... Comment? Je vais faire le résumé so I told myself I will de tout ce que nous avons vu pendant la semaine we learned about during the pour week. Que nous puissions les partager en tant qu'église. Nous so sommes une famille share it with the church as a family, pour les gens qui n'étaient pas là. For those of you who missed out. Donc, je voulais parler de la délivrance. So we're going to talk about deliverance. Je voulais parler de la délivrance complète et totale. Complete deliverance. Vous allez me dire, pasteur, reviens sur des mêmes choses. You might say, oh, pastor always talks about the non, same c'est things, très important, but it is important en tant qu'église as a church, que nous puissions revenir, to come back, que nous puissions parler sur des choses. To these topics. Ça ne sert à rien, comme je l'ai dit, de sauter des thèmes there's et des no thèmes. Point from going la from congrégation topic to topic. Ou l'église de Dieu the church of doit God être fondée assis, must be established, comprendre bien des thèmes, de messages que nous donnons. So that they may understand the things we talk about. Voilà pourquoi moi personnellement je reviens. That is why et I always come le back. Le Seigneur me donne autre chose et j'ajoute. The same topic and the Lord will add c'est pour things. Le bien de chacun de nous. It is for our amen. Own good. Amen. Amen. Donc je vais parler de la délivrance complète. So I'll talk about complete deliverance. Quand on parle de délivrance, when we talk about deliverance, nous commençons à parler des esprits, des démons, des esprits qu'on appelle des esprits impurs, it touches on des démons evil spirits, ou des demons, esprits mauvais, unclean spirits. On peut l'appeler comme on veut. There are many names. Mais cette situation des démons, des délivrances, but when it comes to deliverance, d'abord je voulais dire... Un chrétien ne peut pas être possédé. First and foremost, you must know that a Christian cannot be possessed. J'aimerais que nous soyons clairs là-dessus. We need to be clear on that. Un chrétien ne peut pas être possédé. A Christian cannot be possessed. Par des démons. By demons. Mais un chrétien peut être influencé. But a Christian can be influenced. Peut avoir des démons. Can have demons. Puisque quand on dit possédé, c'est que tu n'as plus de volonté. Possession means you have no more will. Puisque un chrétien... But because a Christian, la Bible dit quand on est attaché à Christ, the Bible on says devient that when we cling to Christ, we become one donc, spirit. Donc l'esprit d'un chrétien qui so a accepté of a Jésus Christian ne peut pas être possédé. Cannot be possessed. Mais however, un chrétien peut avoir des démons. A Christian can have demons. Un chrétien peut être influencé. A Christian can be influenced oppressé by demons, par les démons. Or oppressed c'est by ce demons. Que nous allons voir. And this is what we're going to talk about today. J'aimerais parler de la délivrance totale et complète et puis nous allons faire des prières. And then we will pray. Donc, si une porte n'a pas été ouverte, if a door has not been opened, quelqu'un ne peut pas avoir des démons. Someone cannot have demons. Donc, pour avoir des esprits, but in order to have those pour spirits, que les esprits influencent ta vie, for those spirits to il faut influence qu'il y ait une porte there must be an qui a open été door ouverte pour que les esprits puissent avoir l'accès dans a door ta through vie. Which the spirits will have access donc, selon to les life. Écritures, so according to the writings, il y a trois portes d'entrée there are three different doors que les démons utilisent pour accéder aux hommes, that allows demons to come into même someone's aux croyants, even into a Christian's life.
Le premier porte, the first door, c'est les alliances. Is the covenant. Quand on parle des alliances, when we talk about covenants, on parle des alliances qui ont été faites par nos ancêtres, they refer to nos covenants parents, that have been made by our ancestors, nous-mêmes, our parents, and des even ourselves. Alliances, those are des covenants. Accords. They are agreements. Et deuxième porte, c'est l'ignorance. The second door is ignorance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. My people perish by their lack of knowledge. L'ignorance est une porte d'accès des démons. Ignorance is an open door for demons. Et la troisième demons. Porte, and c'est la door désobéissance. Is disobedience. Quand nous marchons dans la désobéissance, when we walk in disobedience, on ne marche pas dans la parole de Dieu. We don't walk in the word of God. C'est une porte ouverte. That is an open door. Aux démons. For demons. Tu peux être un chrétien, you can be a Christian, mais si tu marches dans la désobéissance, but if you walk in disobedience, tu ouvres des portes, you are opening doors, aux esprits dans ta vie, to evil spirits in your life. Voilà pourquoi, that is why, nous voyons des gens, on s'est dit, mais we can ils see prient, people, mais pourquoi? And you'll say they pray, but why is this happening to them? Donc, si Satan a accès aux croyants, so if Satan can have access to the believers, ces trois accès. It is because of those three doors. Si vous pouvez fermer, if you can close, tu parviens à fermer, if you're able to close ces portes, those doors, les démons vont rester impuissants toute ta vie. Those evil spirits donc, will remain trois portes. Without power in your life. Par exemple, les alliances, première porte. So the que first je door parlais, of covenant. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vais parler quand même des choses que nous allons comprendre vite. I et won't puis go nous into too much depth puisque nous allons prier. Because I want us to pray at the end. Les alliances, je vais parler des alliances. But the first les door alliances is covenant. Parmi ces trois, les alliances sont les plus puissants. And covenants are the most powerful les of all three les doors. D'accès les plus puissants it is the most sont powerful des alliances. Open les door. Alliances, pourquoi c'est plus puissant? And why are those peuple de Dieu, ne dormez so pas, j'aimerais que vous m'écoutez très bien. Please pay attention. Les alliances sont les plus puissants parce que covenants are so ils sont powerful renforcés par les autels. Because they are fed by les altars. Autels, et on a déjà étudié beaucoup les autels dans cette église. We've talked about altars a lot in this un church. Autel, pour bien encore comprendre c'est quoi? But c'est what un is an système altar? D'autorisation. It is a system of c'est un système d'autorisation. Donc les autels sont construits pour s'assurer que altars les termes de l'alliance continuent de s'appliquer to make sure même that the si terms l'initiateur of the de l'alliance n'est plus en vie. Will continue to apply even after the donc, person who made the altar has passed vous savez, away. Les autels sont de morceaux de terre, parfois des tables. Altars are like tables or raised parfois places, des pierres. Or on rocks. Construit des hôtels. Donc, ces hôtels-là sont construits. And those altars are built. C'est pour s'assurer que les termes de l'alliance to make sure that the terms of the va agreement continuer à s'appliquer. Will continue to apply. Exemple. For example. Ton grand-père. If your grandfather. Qui faisait des fétiches. Was in witchcraft. Qui a dit à l'esprit and avec told qui the il a spirit, traité, dorénavant, moi je vais te donner toute ma postérité. He says, from moi now on, I'll give you my descendants. Derrière moi, je me consacre à toi. I will consecrate myself to you. Et je voudrais pour comme échange. And in exchange. Dans ma famille, les gens vont mourir trop jeunes. I want people to die prematurely in my family. Et ils ont fait l'accord. So that is the agreement that your ancestors mais made pour concrétiser with the spirit. Cet accord, but in order to seal that ils covenant, vont bâtir un hôtel. They're going to build an altar. Ils vont bâtir un hôtel. They'll build an altar. Alors, cet hôtel va and that continuer altar à parler. Will continue to speak. Donc, cela signifie que lorsque les alliances l'alliance est conclue so avec le diable pour la mort prématurée. Is made with the devil for premature death in il a family. Il doit y avoir un hôtel. There pour must cela be an altar donc, to seal it. L'hôtel est comme la batterie qui alimente cette alliance. The altar is like the battery that will feed the les covenant. Hôtels alimentent les alliances. Altars feed donc, covenants. Comme je l'ai dit, c'est un système d'autorisation qui est approuvé par le sang. It's a system of access that is approved by blood. Chaque autel est alimenté par le sang humain. Every altar is ou par powered le sang by d'un blood, animal, whether ben human importe or animal. Vous voyez, par exemple, les gens qui vont aller chercher de fétiches, des promotions, des choses for example, comme ça. People who want a promotion. On te dit, amen.
une chèvre. They'll be told, bring tu a goat. Une chèvre, on les coupe Did sur you l'autel. Bring a goat and that goat will be slaughtered on the altar? Donne-moi ton fils, or they'll donne-moi be told, give me your son. Il y a des gens qui sont donnés. There are people who are given un père qui donne as a sacrifice, ses enfants, like a father who gives on his peut children. Donner sa femme, on peut he donner can give son his frère. Wife, his brother. Donc, le sang de cette personne. So that person's blood va couler sur cet autel. Will fall on that altar. Donc, ce sang fortifie les autels. And that autels. Blood will strengthen the power donc, of the covenant. L'autel veille à ce que les termes de l'alliance the altar make sure continue that the terms à se manifester dans la vie will continue to be manifest de participants in those people's lives ou des victimes de l'alliance or among the lives of the victims même of the covenant. Même lorsque la personne qui a fait toutes ces choses n'est plus en vie. And that long after the person who voilà initiated les gens the covenant sont victimes has passed away. Des choses qui ont été faites that is why people are victims par des grands-parents, of their par ancestors' leurs actions, whether tu their grandparents, their parents. Cela, you never mais made a covenant, te vois que tu vis des choses, but you tu see es that you're victime living through situations. That means you're a victim because of your ancestors' actions. Donc, la première étape, je voulais parler de la première étape de la délivrance. So the first step of deliverance. C'est de se débarrasser de l'influence des esprits is sur to get votre rid vie of the influence et of sur vos difficultés. In your life and on your problems. Puisque les démons ne se limitent pas seulement à influencer ou posséder des hommes. Because demons don't limit themselves to possessing les démons people. Peuvent posséder des choses. Demons can possess things et les démons as well. Peuvent posséder les situations. And they can possess situations. Exemple, les démons peuvent posséder ta situation financière. For example, a demon can influence tu your financial situation. Tu peux voir quelqu'un qui travaille. You'll see someone can tu be working. Tu ne parviens pas à garder but you're not able to save tu money. Tu ne parviens pas à faire quelque you're chose not avec able to do anything with the tu money dit, you earn. Pourquoi? And you ask yourself why? Les esprits. That's because there are spirits behind. Tu ne comprendras pas. You won't understand that. Donc, quand on parle de chasser les démons, so when we talk about casting out demons, on les chasse des hommes, we cast them out of people, on les chasse aussi des situations, and we cast them out of situations dans lesquelles les personnes peuvent se trouver. In which people found themselves. Vous savez, les démons peuvent entrer dans d'autres situations par négligence. Demons can also influence a situation because of your negligence. Les démons profitent même de la situation, des conditions sanitaires pour posséder demons quelqu'un can also take advantage avec des of maladies, your hygiene with your, with des sicknesses, conditions sanitaires. With your hygiene. Tu peux te laisser négligent, you can be negligent. Glouton, beaucoup de choses. Et les esprits vont profiter de ça. And écoutez-moi, those c'est très important. Tu peux par ta négligence, through your negligence, tu peux être là quelqu'un qui mange beaucoup. You can be someone who eats a lot and doesn't eat well. Tu commences à prendre des dimensions et des dimensions. Et les démons profitent de ça pour and t'injecter a demon des will maladies. Take advantage of that so that you can become c'est très sick. Important. Nous devons prendre aussi soin de notre corps. We must also take care of our own bodies. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais dire qu'il y a des esprits qui s'attachent à notre esprit. There are spirits who ou des démons qui s'attachent à ton esprit. Who cling to our spirits. Il y a des démons qui s'attachent à ton âme. There are demons who can cling il y a des démons qui s'attachent à ton corps. There are demons who can cling to your body. Dans les cas de la possession, veut dire les démons s'attachent à l'esprit, l'âme et corps. In possession, a demon can cling to every part of your body, donc, spirit and soul. Légal, so the legal access. C'est des démons, c'est à travers les alliances. It's through covenant. À travers la désobéissance. Through disobedience. Quand tu vis dans la désobéissance. When you live in disobedience. Tu peux être là un chrétien, mais tu es tout le temps you dans la Christian, fornication. But you're still living in sexual impurity. Et les démons vont entrer en toi. And demons will enter you. Tu te permets d'être un menteur, tu mens. You're a liar, always telling lies. Vous savez, les démons des mensonges vont entrer en toi et commencer à and te demons manipuler. Of lies will come into you l'ignorance. And manipulate donc, you. La première étape de la délivrance so the first step of deliverance, pour libérer les gens de toutes ces choses, to set people free, ce n'est pas le fait de chasser les démons que tu es délivré totalement. It's not simply by casting out a demon that will make you be delivered completely. Entre
There's a difference. La délivrance et chasser les démons. Between deliverance and casting out ou demons. Ou se débarrasser de l'influence des esprits. Or getting rid of the influence of spirits. Qui sont derrière les gens, qui sont derrière les situations, that are qui sont derrière les choses. Situations. Ce n'est pas une délivrance totale quand on chasse les démons. Casting out demons that is not tu peux equal être là, on a deliverance. Chassé les démons, ce n'est pas une délivrance totale. Demons may have been c'est cast out of your life, but you're not completely delivered. It's only a step of deliverance. Donc, nous allons voir cela. Tu peux être dans l'église. Pourquoi je parle de ces choses? Why am I talking puisque about on this? Peut être dans l'église, mais because habité we can be par at church, des esprits. But we're still influenced by nous demons. Allons lire dans Marc chapitre 1, verset 22 à 28. We'll read in Mark 1, chapter 22 through 28. C'est le premier miracle que Marc rapporte. This is the first miracle dans son récit. That Mark talks about. Marc chapitre 1, verset 22 à 28. Mark 1, verses 22 to 28. J'aimerais les dire d'une façon vraiment posée, ne pas aller vite, pour que nous puissions comprendre. Marc 1, Mark 1, 22, 28. J'aimerais que nous puissions faire le ministère ensemble, s'il vous plaît. Ça va me donner le temps de respirer. Que quelqu'un se lève if devant someone et can puis stand nous and read the passage for s'il us. Vous plaît, Marc 1, 22. Mark 1, verses 22 through 28. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. J'ai fini. Hein? Donc, vous savez, regardez ici l'attitude des gens. Les gens étaient stupéfaits. Look at people's attitude puisque here. Avant Jésus, before Jesus, personne n'avait jamais entendu parler de chasser les démons. No one had ever heard about casting out demons. C'est vrai, on parle des démons sur Saül. It's true that there was a demon in that was possessing Saul. Les démons partaient. And David would play music, and that demon would leave, et but come back. Et dans les temps, quand on trouvait que quelqu'un est habité par les démons, on les tuait. And back then, when someone was influenced by demons, avant they would Jésus. Be killed, and that mais was all before Jésus Jesus. But when les Jesus gens came, ont vu une autre façon. People saw another way of doing Jésus things. Jésus opérait. Jesus would operate. Il a chassé les démons. In casting out demons. Regardez, d'abord, ce que je voulais dire, que cet homme était dans les synagogues. First, this man that was delivered c'était was in the synagogue. Juif orthodoxe. He was a Jew. Quelqu'un qui lisait la Bible. Someone who would read the quelqu'un Bible. Quelqu'un qui venait à l'église. Someone who would go to church. Quelqu'un qui aimait Dieu. He was someone who loved God. Mais cet homme ne savait pas qu'il avait des esprits. But that man did not know that he had spirits. Donc c'est un croyant. He was a believer. Comme vous et moi. Like you and me. Qui vient et qui s'assoit. Who would come to church and sit ne down. Ne sachant pas qu'il était lourdement. But he did not know. Sous l'influence. That he was under heavy influence of mais demons. Mais un jour, la Bible dit. But one day, Jésus vient entre dans les synagogues. Jesus came into the synagogue. Alors qu'il était en train de prêcher. And as he was preaching, l'onction de la puissance de Dieu, the anointing, the power tombé, of God, et tombé les esprits ont commencé à se manifester. Made the spirits manifest. Jésus a menacé les esprits. Jesus threatened the spirit. Et l'a chassé. He cast them out. Nous voyons que même les esprits ont commencé à parler. Even the spirits began to mais speak. Mais Jésus leur a ordonné de se taire. But Jesus told them to stop speaking. Donc le fait que parfois il y a des gens qui ont des esprits, on chasse qu'ils parlent. At times there are people who c'est biblique. We can cast out demons. Les esprits peuvent parler. And those spirits comme ça leave. Ne peut pas parler aussi. Ça dépend. Donc, nous voyons ici, cet exemple, nous le prenons pour faire voir. We're taking this nous voyons ici un chrétien, to see that donc a un croyant a à ce moment-là, mais qui était habité par les esprits. That was influenced by spirits. Jésus s'est occupé de cet esprit. And Jesus took care of il that a spirit. Chassé cet esprit. He cast him out. Et l'esprit est parti. And the spirit left. Donc, on peut détecter la présence des démons. So we can
detect the presence of a demon, par discernement des esprits, through the discernment of spirits, on peut détecter la présence des démons. We can see that there are demons. Une bonne façon d'aider les gens, a good way of helping people, c'est de les rapporter la libération des esprits, is to bring them the deliverance of spirits. Puisque vous savez, les gens peuvent vivre des situations. Because there are people who can live situations. Mais derrière les situations, but behind those situations, il y a des esprits. There are spirits. Quand on les chasse, and when we cast them out, y a une vraie délivrance. There's a true deliverance that takes place. Les situations changent. And those situations begin to change. Donc la façon dont les démons opèrent, so the way that demons operate, ils s'attaquent non seulement à la personne, they attack not only the person, mais s'il vous plaît, soyez attentifs. S'il vous plaît. Puisque on doit écouter ça. Et l'ennemi est très, très, très rusé. I need you all to pay attention because this is important. Donc, la façon dont les démons opèrent, so the way that demons operate, ils ne s'attaquent pas seulement à un seul domaine, they don't just ou une seule influence situation. One area of your life. Les démons attaquent les situations, tous les domaines. Demons will try to attack every single area. Tu peux voir, il y a des domaines où tu ne t'attendais même pas à un miracle. For example, there are areas in your life where you don't even expect miracles. Une fois que ces esprits sont chassés, but once those spirits are cast tu out, tu vois la situation changer. You start to see situations change. Et tu ne pouvais même pas penser, you never would have thought, que ça pouvait être comme ça. That it could be possible. En un seul jour, but in one day, tu peux voir les portes ouvertes. You can see open doors. Donc, tu peux être guéri d'une maladie. You can be healed from a sickness. C'était sur ton corps, n'est-ce pas? It was on your body. Tu peux comprendre que derrière cette maladie, and you understand that behind that quand sickness, on les chasse, when we cast out tu the es complètement demon, guéri. You are completely healed. Celui qui était derrière les maladies, and the thing that was behind the et sickness, celui qui était derrière les finances, was also the one behind your donc, financial quand situation. Les démons attaquent la vie des gens, so when a demon attacks someone's ils life, ils attaquent plusieurs domaines de la those vie. Those demons will try to attack every area of your life. La plupart des situations difficiles dont les gens vivent, most difficult situations that people sont des situations alimentées par des esprits, are situations that are influenced by spirits. Tu peux constater que sur 10 choses qui for example, te dérangent, you see that there are 10 things that bother you, il y a un seul esprit qui est responsable. There's only one spirit influencing all those 10 things in your life. On les chasse, but tout once that spirit is cast out, everything is fine. Et même cet esprit, and that same spirit, peut être celui qui dérange ton père, can be the same qui dérange spirit ta mère, bothers your mother qui dérange and your ton frère, and your qui brother, dérange les gens de ta famille. The brothers, everyone le in your family, esprit. The same c'est spirit là on operating. Parle même de la captivité collective où l'ennemi that is prend même toute une famille en captivité. Where the devil can hold an entire family donc, captive. Quand on a bien chassé les démons, but when we cast out a vous demon, pouvez voir comment les miracles s'accomplissent dans tous les domaines, même dans toute la famille. You can start seeing miracles happening in the ça entire family. Ça ne va pas être seulement toi. You won't be the only one mais who's les autres but pourront even être those libérés. Around you will be set free. Donc, c'est pour cela qu'il faut traiter chaque fois la racine de la situation. That is why we must treat the root of the problem. Et tu verras tout rentrer en ordre. And you'll see that everything else will come into place. Bien-aimé. Beloved. Donc, tu peux te focaliser sur une seule chose comme miracle, mais tu ne peux pas te rendre compte comment les choses sont empilées pour toi. Des sometimes miracles you can qui vont one dans la dimension spirituelle, mais qui sont bloqués. Without realizing that other miracles are blocked tu te focalises because of the spiritual situation in your life. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. You're expecting for one thing, but there are so many other par things that are blocked. Par la présence des esprits. Because of the spirit. Donc, tu peux être ici, tu pries pour toi-même. You can be here at church and you pray for yourself. Mais toute la famille, but your entire family, est bénie, comme je l'ai dit, is blessed. Donc, beaucoup voient beaucoup de blocages. Many people encounter obstacles. Dans l'argent, dans ceci, dans cela. Financially or in other areas mais of their lives. Mais l'ennemi est derrière. But that's because there are spirits behind. Mais je crois. But I le believe Seigneur va mettre fin that the Lord is putting à des an situations end comme ça to those s'il y a quelqu'un qui est là dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, beloved, les esprits, spirits, c'est ce que je voulais dire.
alimente, fortifie même spirits nos pensées. And can influence our thoughts. Les esprits fortifient les pensées des gens, spirits les démons. Will influence people's thoughts. Vous allez voir ça, comment parfois les gens réfléchissent. You'll see how people's thought process. Ils croient qu'il a raison, ils croient que right. C'est comme ça. They think that et this pourtant, is the way things sont are. Des esprits. Yet those are spirits talking Je vais vous donner them. L'exemple. For example, quand on devait tuer Jésus, Jesus had to be killed. On demande qui vous voulez qu'on puisse vous libérer. And the crowd was asked, who do you want us to, les gens to disent, set non, free non, Barabbas, to release? Barabbas. And people were saying, oh, we want Barabbas. Jésus. And kill Jesus. Tuez-les. Kill him. Nous voulons que la malédiction tombe sur we nos want the curse to fall enfants. Upon us and upon our children. Imaginez comment les gens can you penser imagine comme that? Ça. How people can think that way? Ce sont des esprits. Et pourtant, quand ils ont dit ça, la malédiction est tombée sur eux et sur les and enfants. When they said that, the curse pour eux, indeed ils fell upon croient themselves. Que c'est une bonne façon. And they thought that was donc, a good thing. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, but beloved, il y a des pensées there are thoughts qui sont fortifiées par les démons. That are strengthened beaucoup de by gens pensent spirits. Comme ça, mais ils sont à côté. La Bible nous dit the Bible tells us que les raisonnements that reasonings nous devons amener tous nos raisonnements tous nos pensées captives à l'obéissance de Christ. To the obedience of Christ. Vous savez si tu n'es pas fortifié par le esprit de Dieu if you are not strengthened by the tu spirit vas of God, appeler la lumière ténèbres you will start calling the light tu darkness, vas appeler le mal le bien and you'll call wickedness tu vois good. Quelqu'un qui a insulté qui a fait you'll see someone une who's injustice who was c'est ton unjust ami, to someone tu vas les soutenir but because it's your friend you're going to support them tu peux voir que la corruption est mauvaise you can see that corruption is bad tu vas les soutenir but you'll still support tu it tu vas soutenir quelqu'un qui vit dans l'adultère you'll start supporting someone who tu lives in adultery tu vas soutenir quelqu'un qui vit dans les mensonges or someone who lives in lies et pourtant tu es un enfant de yet Dieu yet you are a child of God peuple de Dieu people nous allons prier we're going pour que to pray nos pensées soient libérées so that our thoughts même may be dans set l'église free, even in the church si tu ne fais pas très attention. If you're not careful, tu peux avoir des pensées corrompues, dominées par les esprits. Thoughts that are dominated by spirits. Donc, quand ces esprits viennent sur toi, so when those spirits come upon tu you, peux même rejeter des bonnes situations you qui sont can présentées. Reject the good things that tu come peux to même you. Rejeter des bonnes personnes qui peuvent you can t'aider. Reject the good people who come tu peux for rester your, to help dans you. Des arguments you can remain in arguments qui peuvent t'amener à la mort. That can bring you to death. Tu prends des décisions. You're making bad decisions. Les gens ont fait des choix. People have made decisions. Qui les ont amenés dans des conséquences difficiles. That brought them into difficult situations. Ils ont fait situations. Ces choix à cause des influences démoniaques. They made those decisions because nous allons of bad aller spirits. Dans Luc 13, verset 11. We'll read in Luke 13, verse 11. Nous allons lire jusqu'à 16, s'il through vous 16. Plaît. Luc, chapitre 13. Luke 13, verset 11. 11. Allons-y le plus tôt, puisque nous devons terminer ça. Que quelqu'un lise, s'il vous plaît. Oui, maman. Ouais. Amen. 14. Je peux ok, continuer. Mais quelqu'un peut continuer. Et oui, lui, tu es arrivé jusqu'à quel verset?
14. Alors, continue, que quelqu'un continue. Merci, maman. Continue jusqu'à 16. Mais on peut lire comme ça. Amen. Maman Irène, que le Seigneur restaure ta vie. Qu'il restaure ta vie dans le nom de Jésus. Reçois cela, que le Seigneur restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous avez... Beloved. Regardez, on nous raconte une histoire d'une femme This is the story qui of était, a woman. Qui avait un esprit qui la faisait who had a spirit courber les dos comme of ça. Infirmity. Donc, nous avons... deux médecins ici. There are a few Papa, doctors here. Samuel est médecin. Sa femme est infirmière. Je crois quand il y a une situation comme ça, I believe when such a situation noms, arises, you're going to give vous a diagnostic. Vous allez trouver les noms de cette maladie. You'll give a name to the sickness. Mais ce n'était pas une maladie. But this was not a sickness. Vous allez voir que pendant 18 ans, you'll see that for 18 cette years, femme est resté comme ça. This one was bent over. Regardez ici. On parle de la femme qui était dans la synagogue. She was a woman who went to the synagogue. On n'a pas dit que cette femme un jour elle avait rétrogradé. It doesn't say that that woman had regressed. On n'a pas dit que cette femme un jour elle ne venait plus à l'église. It doesn't say that that woman stopped going to the Mais church. Mais c'est une femme qui venait à l'église comme vous et But moi. But she was a faithful woman coming to church Mais every malheureusement, week. C'est une femme qui avait un esprit. Yet she had a spirit. Un esprit qui était malade, les gens voyaient la maladie, mais dans le fond, c'est un esprit derrière she la maladie. She was sick and people would see her as being sick, Donc, but there was a spirit behind it. Donc, elle venait comme nous avons chanté, nous avons loué. So she would come as we sing and Elle partage and la praise. Grâce avec tout le monde. She was under the grace. Elle retourne à la maison. And she would go home. Donc, les démons l'accompagnaient. So the demon would go with her dans l'église, into the synagogue. Retourner avec and elle and would leave with her at home. Donc, cette femme vivait comme ça. So that is how she would live. Pendant 18 for 18 years. Et Jésus est venu dans la synagogue. But Jesus went into the synagogue. La femme n'avait même pas demandé la délivrance. The woman had not asked for deliverance. Et le Seigneur a chassé cet But esprit. But the Lord cast out that spirit. Il a chassé d'abord. He cast it out. Il a dit, femme, tu es délivrée. He said, woman, you are loosed. And he laid his hands. And she, Donc, dans she fonds, stood up. Dans cette maladie. So in that sickness. Ce n'était pas vraiment une maladie. It wasn't really a sickness. C'était as we know un esprit. Them. It was a spirit. Pour dire, all that to say, il y a beaucoup de situations. That there are many situations. Comme je l'ai dit, as I've said que before, les gens vivent. That people go through. Il y a through. Beaucoup de maladies. There are many sicknesses. Que les gens vivent. That people live through. Ce ne sont pas vraiment des vraies maladies. But they are not real sicknesses. Derrière, behind those c'est things, un esprit. Are spirits. Il y a des gens qui racontent. There are people who tell you. Parfois la nuit, that sometimes on a fait night, manger quelque chose. They were fed. Et ils voient, on l'a piqué. Or they see that they've been injected with something. Ils se réveillent le matin. And they wake up in the morning. Des symptômes d'une maladie. And they start seeing symptoms Et la maladie of a sickness. Qui s'impose. And that sickness comes in their Et body. Et derrière, ce sont des démons. But behind all of it are demons. Donc on peut venir à l'église. So we can go to church. Mais avec un problème. But with problems. Je vous ai dit les accès des esprits. I've told you about the Par les alliances. Access, through covenant, par l'ignorance. Through ignorance, par la désobéissance. Through disobedience, on peut attirer. That are, those are ways esprits. To attract spirits. Les esprits sont attirés. Donc, regardez, Jésus chasse. So Jesus cast out. Chasse cet esprit the spirit, et la femme est guérie. And the woman is Normalement, healed. Ça devrait être une occasion où les gens sont contents. Usually, people should have les been gens rejoicing. Étaient contents. People were rejoicing. Mais les gens qui sont fortifiés par les démons, But people who are influenced by demons, agissent comme des démons. Will act like demons. Regardez les chefs des synagogues. Look at the synagogue Encore leaders. Il est le chef des synagogues. He's the leader of the synagogue.
Et regardez son raisonnement. But look at his reasoning. Il devrait fêter. He should be rejoicing. 18 ans. For 18 years. Une femme qui souffre. That woman was suffering. Dans ton église. She would come to his church. Et tu dis, mais pourquoi vous venez vous faire guérir aujourd'hui? But he says, why do you have to come and Les be healed on Sabbath. Sunday, on the day of Sabbath? Donc, quand les mentalités, la pensée est fortifiée, dominée par les esprits. So when thoughts are influenced by spirits, on va avoir une façon de voir des choses. We'll have a certain way of seeing things. Diaboliques. That are evil. Donc, Jésus a dit. So Jesus said. Vos animaux n'observent pas le sabbat, ils mangent. Even your animals don't respect the Sabbath because Mais they have to eat and drink. Mais cette femme fait partie de l'alliance d'Abraham. But this woman partakes in the covenant Amen, of Abraham. Amen, Dieu. Nous faisons partie de l'alliance d'Abraham. We are children of Abraham. Quand tu viens, tu acceptes le Seigneur. When you receive Christ, à l'église, veut dire Savior, que tu fais partie de l'alliance d'Abraham. It means you are a part of Abraham's Malgré covenant. Malgré qu'elle faisait partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. So despite the fact that she was a daughter pour of Abraham, pour dire que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. The covenant that made all the families of the earth be blessed. Cette femme this était woman dans la souffrance. Was still suffering. Et Jésus qui est l'expression de l'amour de Dieu, de la compassion de God's Dieu ce jour-là, God's compassion est venu libérer cette came femme. Came to set her free. Peuple de Dieu pour dire, people of God, on peut être à l'église. All that to say that you can Nous devons come to voir church. Les caractéristiques ou les caractères Les symptômes you must be able to see the des situations autour de nous. Of the situations around you. On peut reconnaître la présence des esprits We can recognize the presence of par a spirit leur caractère, through their traits, les actes qu'ils posent through their behaviors dans les vies des gens. In people's lives. Tu peux voir quelqu'un très têtu. You can see someone tu who's peux really voir stubborn. Quelqu'un très désobéissant. Someone who's disobedient. Tu peux voir quelqu'un très amer. Someone who's bitter. Tu peux voir quelqu'un trop méchant. Someone who's wicked. Un pervers. Or pervert. Tu peux comprendre qu'il y a la présence. And you understand that there's the presence of evil Vous spirits. Pouvez voir quelqu'un qui s'oppose. Or someone. Qui s'oppose aux choses de Dieu. Who goes against the things of God. Qui s'oppose à l'avancement de l'évangile. Who goes against the Mais ce n'est pas lui. Work of the kingdom. Il y a les esprits. But behind him voilà pourquoi is a spirit. Le Seigneur traitait les démons That d'abord. Is why Jesus would treat Il spirits. Chassait les esprits. He would cast out spirits. Il libérait l'homme. To set the person free. Alors, par cet exemple, so through this example, nous comprenons que Beaucoup de plusieurs problèmes de santé. We understand that many sicknesses. Beaucoup de conditions médicales. Many medical situations. Sont influencées par les démons. Are influenced by demons. Vous me comprenez? On peut voir des maladies. You can see a sickness. Mais derrière. But behind it. C'est le diable. Is the devil. Puisque la Bible dit. Because the Bible says. Jésus-Christ est venu. That Jesus Christ came. Pour donner la vie. To give life. Et les trois missions du diable. And the mission of the Il enemy. Il vient pour détruire. Is to kill. Dérober to steal, et égorger. Kill and destroy. Donc. La délivrance. So deliverance. Quand on chasse les esprits, when a demon is cast out, il y a quelque chose que nous devons faire. There's something else that we must do. Deuxième volet, d'abord, on chasse les esprits. So the first step is to cast out the spirits. Deuxième chose, the second thing, nous devons être transformés. Is to be transformed. Par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons être transformés par la parole de Dieu. We must be transformed by the word of God. Il y a des gens qui ont eu la délivrance. There are people who have received On deliverance. On a chassé les démons. A demon was cast out. Ils se sont sentis libérés. They felt free. Ils ont trouvé, oh non, moi j'étais délivré. And they said, oh, I've been delivered. Je n'ai pas vraiment grand chose. I don't have Parfois, anything else to do. Parfois tu les vois, ils ne viennent plus à l'église. Sometimes you see Parfois, that person will stop coming venir, to church. Mais il est distrait, négligent that dans les choses de negligent Dieu, dans la distracted. Parole de Dieu. Donc, une autre étape so pour consolider ta délivrance, to seal your deliverance c'est la parole. Is the word. Entrer dans la connaissance. To come into the knowledge. Puisque la connaissance Because knowledge va renverser les forteresses. Will bring down tes pensées qui ont the été solidifiées
your thought process that was strengthened by demons. You know the reason why we come to church? C'est que la parole de Dieu attaque notre mentalité. It's for the word of God nous allons to lire. Speak to our mentality. Pendant la semaine, j'avais dit, deviens une nouvelle moi. During the week, avec I talked about tu deviens une becoming personne a new you. Par la transformation de l'intelligence. And you become a new you through the renewing dans of your mind. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthians 10, la Bible verse 5. Nous dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthians 10, verse 5. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, quand on parle des forteresses, when we talk about a fortress, la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Arguments. Toute hauteur veut dire toute and every forteresse. High thing. Des forteresses, quand on parle des forteresses, des high forteresses sont des mentalités fortifiées par les démons. That are strengthened by les forteresses, c'est un système de croyances négatives pour maintenir la victime dans cet état. And demons keep victims la in Bible those dit, states. Nous ramenons toutes nos passions, nous renversons des forteresses. We cast down arguments donc, and every high thing. Il y a vous savez, chacun de nous a un système de mentalité. You know, we all have a way un of système thinking, de pensée. Comme je vous ai dit, tu peux avoir ton mindset. Système de pensée. You can have your own way of thinking. Ils sont consolidés, fortifiés but par those les démons. Thoughts are strengthened by demons. Alors, c'est très important de renverser so it is important to cast ces out, raisonnements, cast down those ces arguments, pensées. Those thoughts. La Bible dit cela. The Bible says that. Donc, et je disais ces pensées-là, and those quand thoughts, on ne les renverse pas, when we do not ça maintient down, la victime they keep dans the son état. On a chassé les démons, so mais tu as ta façon de penser négative. Demon tu as ta façon de penser mauvaise. Tes pensées sont toujours dirigées, your thoughts dirigées par des esprits. Are always influenced by spirits. Les esprits reviennent. And that allows for spirits ils to come peuvent back. Partir. They can leave. Ils peuvent partir. On les they can leave partis. Once they're cast out. Mais ta façon de penser but your way of thinking pas, that has not va changed attirer. Will attract donc, them. Voilà pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. That is why we must have the knowledge la connaissance of the word de la parole God. De Dieu va t'exposer à la nature et au caractère de Dieu. Will show you God's la connaissance nature de and la parole de Dieu va t'exposer au principe du royaume. Knowing the word of God will donc, show you the principle of the kingdom. Tu vas au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu, so the more you read the word tu vas of God, avoir le caractère the more de Dieu, you will have God's traits, la nature de Dieu, the more you will become tu vas in his adhérer aux principes du royaume you will start de Dieu. Walking in the principles of the kingdom donc, of God. La transformation par la parole de Dieu so ferme la porte à l'ignorance. L'ignorance qui était déjà une porte. Quand on connaît la parole de Dieu, when we know the word of on God, ferme la porte à l'ignorance. We close the door la to Bible ignorance. Dit, the ce Bible n'est says, pas la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. The Bible says that my people perish by their lack of knowledge. Ce manque de connaissance qui tue. That lack of knowledge kills. Et la Bible dit vous connaîtrez la vérité. And the Bible says you shall know et la vérité vous rendra libre. And the truth shall set you free. C'est la parole de Dieu qui rend les hommes libres. It is the word of God that makes people free. Bien-aimés, en connaissant la parole de Dieu, when you know the word of God, cela va élever nous élever au-delà de l'influence démoniaque. It will bring tu us sais above résister demonic au influences, and you will know how tu to resist the tes devil. Droits. You will know your rights. Tu as la foi dans la parole you de have Dieu. Faith in the word of God. L'ignorance est une porte d'accès des démons. Ignorance is an open door for demons. Donc, la transformation par la parole de Dieu so transformation renverse the word of God des formes de pensées négatives brings down qui étaient des portes d'entrée des démons. That were open doors for demons. Bien-aimés, les démons dépendent beaucoup de la mauvaise habitude mentale. Demons depend on your de la personne. Bad mental les démons vont rester attitude. Confortables dans cette victime. Demons will remain comfortable et ils in your vont life. Se sentir confortables. They'll feel at ease. Avant de s'attaquer à un individu, regardez ce que les démons font. Look at what demons les démons do. Vont rassembler des forces
informations qui constituent votre mentalité. They will send you bad information. Ils rassemblent. They bring up all that information. Viennent, and when they come, que tu n'as pas construit ta mentalité avec la parole they de Dieu. They see that you don't have a mindset that is based on the word les of God. Les esprits impurs viennent fortifier those evil encore spirits will votre come façon de penser avec ces mensonges. Your way of thinking with their lies. Mais quand tu as construit ton système de pensée but avec when your la parole thought process de Dieu, is based on the il y a des God, choses qui peuvent venir. There are things that can par come your la way loupe. La loupe de la parole. But tu dis word, ça, je ne peux pas penser say, comme ça. I cannot think ça, this je ne peux way pas prendre. I cannot take je this suis un enfant de Dieu. Je connais la parole de Dieu. The word donc, of God. La parole de Dieu va te servir de loupe. So the word of God will be. Donc, si tu ne changes pas ta façon de penser, if you don't change your mindset, cela devient un moyen facile d'attaque. It becomes an easy way for access. Quel que soit le nombre de fois où les démons sont chassés en toi, no matter how many times demons ils vont are cast revenir out, facilement. They will come up easily. Plusieurs se réjouissent quand on a chassé les démons. Many people are happy when a demon has been cast out tu of their réjouis lives. You rejoice. Tu as été délivré. You were mais delivered. Cet esprit retourne facilement. But that spirit will come back easily. Puisqu'il ne retrouve pas la transformation. Because it doesn't find transformation. Tu n'es pas transformé. You have not been transformed. C'est pourquoi nous devons venir dans la maison de Dieu. That is why we must come into the house of God. Nous soumettons notre mentalité à la parole de Dieu. We submit our quand nous venons dans God la maison de Dieu, when we on soumet the notre God mentalité. We submit tu our avais thought une telle process mentalité, if you were tu écoutes la parole before de Dieu, tu changes. You hear the word of God and you decide to change. Puisque la parole de Dieu attaque ta mentalité because the word of God will attack your own mindset. La parole de Dieu déconstruit ta façon the de word penser of God négative. Will deconstruct il détruit your cela thought process. Il y a des façons de penser négatives qui viennent des cultures. There are negative way of thinking that qui comes sont from your culture dans nos vies par manque de suivi. Il y a des gens qui pensent dans notre culture c'est comme think, ça, oh, dans notre culture, we do things this des way, mauvaises façons de penser. But those are the wrong ways of thinking. Qui sont contraires à la parole and de Dieu. They go against the word of notre God culture, c'est la parole de Dieu. Our culture should be the word of God. Oh, chez nous, les baluba. They say, oh, back home, our chez culture, nous, les we Bakongo do it this way. Non, pas chez nous. Dans la parole de Dieu. We must look to the word of God. Donc, nous devons nous attacher à la parole we et à la doctrine qu'on nous enseigne. Regardez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbs 4, verse 23 says, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbes 4, verset 23. Proverbs 4, 23. Car de lui viennent les sources de la vie. Keep your heart with all diligence. Bien-aimé, tu as la responsabilité de garder ton cœur. It is your responsibility to tu keep as la your responsabilité heart de garder tes pensées. It is your responsibility to keep your tu thoughts as la responsabilité de garder ton cœur. It is your responsibility de to keep your pensées heart from negative thoughts. Bible de Dieu, tu dois être leader you d'abord must be pour les gens qui sont des leaders. Sois leader de toi-même. You must be a leader d'abord of your own tu self sais toi-même t'es l'idée. When you're tu able sais to lead yourself, you're able to quelqu'un hold yourself. Qui n'a pas de maîtrise. Someone who has no self-control. Quelqu'un qui ne sait même pas gérer ses émotions. Someone who does not know how to manage their emotions. Toutes sortes de pensées viennent n'importe all comment. All kinds of thoughts can come non, into their minds. Non, tu ne peux pas être un leader you vraiment. You cannot be a leader of others. Tu dois d'abord dans la vie être leader de toi-même. You must first take responsibility of ici yourself. Le Seigneur nous responsabilise. Here the Lord is giving us that d'être duty responsable de notre cœur. To be d'être responsible responsable of our hearts de nos pensées and our thoughts. Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Keep your heart with all diligence. C'est pour cela, dans Romains 12, verset 2, la Bible nous dit, Romains 12, Romans 12 2 verset says, 2, si vous êtes déjà là, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, la plupart des gens n'aiment pas la parole de Dieu. You know, most people don't love the la word plupart of God des croyants n'aiment pas la most parole de Dieu. Believers don't like the word of God. La plupart. Most people. Vous savez, quand on est même là, you know, even when tu es en train de somnoler, tu as l'habitude and you're de somnoler asleep.
Ça veut dire une influence démoniaque. That's a demonic influence over your life. On est supposé quand on est dans la maison de Dieu. When we come into the house quand of God, on a dormi toute la nuit. When we've slept all night. D'écouter la parole jusqu'à la fin. We should be fin. Able to listen to the word from beginning to end. On comprend. Quelqu'un peut venir, vient du travail. There are things that happen. Someone comes from church and they're tired. Mais quand tu es là, but when you're here, tu as bien dormi. You've slept well. Tu es assis. You're seated. On prêche la parole. And the word tu is being preached. Tu ne fais que somnoler. And all you do is des influences démoniaques. Those are demonic spirits. Non, ce n'est pas normal. It's sache à partir normal. D'aujourd'hui que ce n'est pas normal. It is not normal. Ou bien quand on prêche la parole, or when the word is preached, tu es agité. You're always agitated. Hein? Tu veux faire, tu sors, tu reviens, you tu have, sors. You're distracted, tu you ne sais go même out, pas pourquoi back, tu sors. You don't even know why you're going out of the room. Puisque une seule parole, because one word, que tu peux entendre, one word that you peut hear, bouleverser, changer ta vie. Can change your life completely. Donc, la distraction, distraction pendant la parole de Dieu, during the word of God, c'est démoniaque. Is demonic. Puisque là, la parole ne tombe pas dans un bon sol. Because now the word is not falling la into good soil. La parole de Dieu qui est une semence tombe dans un mauvais sol. Is seed and le it's sol not falling qui into good pas soil. And no fruit is being produced. Donc, la transformation n'arrive pas dans un instant. C'est un travail. Transformation is a tu process. Dois travailler. You must work bien at aimé, it. Le peuple de Dieu doit travailler the dans people la of God must work il with the word of God. Il y a des gens qui lisent pas la parole. There are people de who Dieu. Do not read the word of God. On vient à l'église, ils ne lisent pas. They come to church but they ils don't read. Ils sont là seulement à regarder des informations, watching. À être au courant de ce qui se passe de gauche à they're droite. They're distracted by everything else that is regardez happening in the world. Sur des réseaux sociaux, media, ils n'ont pas le temps de lire la parole no de Dieu. To read the word of God. Vous savez, c'est une ruse that is du diable. A ruse la of the parole enemy. De Dieu, on la lit, on répète, on répète, the on word répète, of God should be on read and reread and reread. Donc, tu dois détruire so you must avec la parole de Dieu ta mauvaise façon de penser. Your negative thought process with the word on of God. Détruit. You must destroy it. Il y a des gens qui sont assis dans l'église there are people who are seated in the mais church, qui ont refusé de changer. But who have refused to change. On parle, je me poumonne comme je me poumonne. The way I've been speaking here and preaching, on parle. They can be preached and they hear pas. The word of God, but they don't change. Non. Donc, le renouvellement et la transformation se produisent à travers la connaissance. Can only happen through knowledge. C'est pour cela nous prenons le temps. That is why we take time de bâtir les enfants de Dieu. To build the children of de God. De revenir et de revenir. To come back on the same topics again choses. Again and again. Regardez, je vais lire seulement un verset dans Actes des Apôtres. I'll read in Acts. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 la Acts Bible 2, dit 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement. They were steadfast in teaching. Ils persévéraient, bien aimé, la persévérance. They would persevere. Commencer, c'est une chose. To begin something is mais one thing. Mais continuer but de faire des choses, to continue to do c'est the thing tout autre chose. Is something else. On peut commencer chaud, chaud. We can start et quelque part, on commence so à parler energy. Au passé. But somewhere moi, quand we let je lisais, moi, quand je faisais, oh, moi, quand I used to je read faisais. And I used to do this les that. Choses de Dieu, c'est au présent. The things of God are for tous now, jours. Every day. Donc, je voulais, ça je vais le dire comme ça, un jour je le développerai. Troisième chose, the third thing, pour maintenir notre délivrance, to maintain our deliverance, total, our complete c'est la deliverance, discipline. Is discipline. On doit se conformer. We must be conformed. La conformité au principe du royaume. We must conform to the principles of the kingdom. La conformité. We must à la parole de Dieu. Walk according to the c'est word of conformer God. À la parole de Dieu. We must walk according to veut the word dire of God. Marcher dans l'obéissance. We must walk in obedience. Marcher dans l'obéissance. Walk in obedience. La Bible nous dit. The Bible tells us. Médite dans Josué chapitre 1 verset 8. In Joshua 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne this book of the law never depart de tes yeux. From your médite eyes. Les jours meditate et nuit on it day and night afin d'agir fidèlement so that you may walk faithfully selon ce qui est according écrit. To what is written. C'est alors que tu auras that du is succès. Then c'est alors
que tu réussiras. You will find good success. Donc, and you will be prosperous. L'obéissance à la parole. So obedience to the word. La Bible dit dans Psaume chapitre 1. In Psalm 1. Verset 1 et 2. Verses 1 and 2. La Bible dit, heureux l'homme. The Bible says, blessed is the man. Qui ne marche pas. Who walks not. Selon les conseils des méchants. In the counsel of the ungodly. Qui a ça? Je l'ai dit de... Je suis en train de dire ça, tout ça par mémoire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. La Bible est claire. The Bible is clear. Heureux l'homme. Blessed is the man. Donc ici, so here, bien-aimé, il est question de ta volonté. This is about your own willpower. Amen. Amen. Mais encouragez-moi. Hey, ça y est. Vous me regardez comme ça. You're just looking at me. Ici, il est question de ta volonté. This is all about your will. Donc, la grâce de Dieu est là. God's grace is present. Pour nous soutenir. To support us. Pour nous aider. To help us. Mais, il y a aussi question de la volonté. But your will must come into play as well. Il faut qu'il y ait la combinaison de ta volonté et la grâce. There must be the combination of your will and God's tu grace. Tu ne peux pas t'asseoir là. You cannot just be seated. Tu dis, Seigneur, tu as créé le ciel et la terre. And you say, God, you created the heaven je and the earth. Je viens à l'église, j'écoute la parole. I come to church, I listen to the word Seigneur, of God. Seigneur, fais ce que tu as fait. Lord, do what oh, you non. have to do. Tu as ta part. You have a part to play in all of tu this. Tu dois faire ce que tu dois faire. You must do what you must do. Pour y parvenir. In order bien to aimé get there. Dans toutes ces choses. Je voulais dire, pour in avoir, short, nous voulons être bénis. We want to be blessed. Je sais que tout le monde, peut-être tu ne peux pas être dans les cas. Mais je voulais nous rappeler, pour garder notre délivrance, in order to keep our deliverance, on peut être là, mais on remarque des choses dans nos vies we can see things in our lives qui ne marchent pas, that are qui not sont working. Là, des années. For years and years. Des choses qui défient toutes sortes all de kinds forts. Of challenges. Nous devons comprendre celui qui est derrière. We must understand même that si there's something behind it, even if we come to church. Ce que je voulais dire, parfois on peut dire, mais Jésus nous a déjà délivré. At times we can say, oh, Jesus has delivered non. us already. Jésus nous a déjà délivré. It is true, Jesus has delivered us. Quand Jésus est mort, when Jesus died, il voulait expirer, il a dit, tout est accompli. On his last breath, he tout said, est it accompli. Is finished. Il a it dit, is finished. Il est pensé. Mais quand however, nous remarquons des choses, when we see that there are things, par rapport aux portes d'accès, comme je l'ai dit, when it comes to the open doors, on ne va plus combattre pour la victoire. We won't be fighting for victory, mais nous combattons dans la victoire que Jésus victory, a déjà acquise. In the victory that Christ has given nous us. Combattons, nous proclamons que cette victoire se manifeste. We fight by saying that this victory must be manifest. Donc, peuple de Dieu, so people of God, c'est très important it is crucial de comprendre que to understand nous devons avoir la connaissance that we must have the knowledge chercher à être transformé par la seek parole to be Dieu. Transformed by the word of God. Nous devons nous conformer. We must conform. Conformer aux principes. We must walk according to the principles of the kingdom of God. C'est très important. On peut chasser les esprits puisque le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir. The Lord has given us the power and the authority. On chasse les esprits to cast out demons and il y a un travail de fond. But there's still a work to be done. Que nous devons faire. To be done by us. C'est pour cela vous beaucoup de gens qui ne font pas ce travail. That is why many people who don't go through that process. C'est retour où on avait chassé les esprits. When demons have been cast out. Mais après quelque temps. But after some time. Les esprits reviennent those joliment. Those same demons come back. Ils savent ton comportement. Because they know tu how sais, you behave. L'esprit, ce que je voulais, j'avais aussi oublié de vous dire. Un esprit peut vivre en toi. You know, a spirit can live in you. Depuis que tu es né. Since you were born. Le temps ne donne pas à quelqu'un la délivrance. And time does regardez not give you deliverance. For example, that depuis woman who spent 18 là, years un esprit peut vivre. So a spirit could be in your life for years. Tout va dépendre de, sa, de
de ton salut, but it la will façon all depend on your salvation, tu te donnes, la façon on your dont way tu you give yourself and you seek deliverance. Un esprit peut rester en toi et tu vas mourir. A spirit tu can remain in tu you mourir, tu iras until au ciel. You die. Mais l'esprit là it's true that you go to heaven, but that spirit has lived in your life avec on this earth. Alors, mais quand on remarque les caractéristiques but des when choses, we can see ne vous gênez traits pas, in people's lives, on prie, on chasse. Don't be afraid. Quand tu as de mauvaises habitudes, we can pray tu and cast out demons. When you see on you prie, have bad habits, on prie, on demande la prière, on chasse. Ask et for tu prayer. Travailles, tu fais aussi ton travail. And do amen, the work. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris. I believe you understood. Je crois que vous avez appris quelque chose. I believe chose. That you've learned something. Que Dieu vous bénisse May God abondamment. Bless you abundantly. Abondamment.